chers apprenants, je suis M. Makaya Brunel, enseignant d'histoire et de géographie au secondaire. Le cours d'aujourd'hui est un cours de géographie terminale. Il porte sur l'organisation de l'exploitation forestière et ses problèmes au Congo. Ce cours, nous allons le présenter en deux volets. Nous commencerons d'abord par l'organisation de l'exploitation forestière pour terminer par la suite par ces problèmes. Pays en développement. Le Congo dispose de plusieurs activités pour son développement économique. Parmi ces activités, nous avons l'exploitation forestière. Cette activité connaît une organisation bien précise et est confrontée à d'énormes difficultés. Au premier point, nous abordons l'organisation de l'exploitation forestière. Donc, au premier point, nous avons, au grand 1, L'organisation L'Organisation De l'exploitation forestière L'Organisation De l'exploitation forestière c'est le premier point ou le premier volet de notre leçon. Donc, au premier point, nous abordons l'organisation de l'exploitation forestière. Comment s'organise-t-elle Comment s'organise l'exploitation forestière au Congo L'exploitation forestière au Congo est basée sur... La législation forestière, puis l'exploitation forestière. Donc, le gros 1, nous aurons deux volets. D'abord, la législation forestière, ensuite, l'exploitation forestière. Abordons, abordons le premier sous-point, petit 1, la législation forestière. la législation forestière. Au petit 1, la législation forestière. La législation forestière, donc ici, il s'agit de voir quelle est la loi qui régit l'exploitation forestière au Congo. Donc, l'exploitation forestière au Congo est réglementé par un code forestier adopté en 2000. Cette loi fait obligation aux exploitations forestières de transformer 85% de leur production du bois au niveau local. Cette loi vise à réduire les exportations du bois en grume à 15% de la production. Cette loi, toujours, elle vise également la protection de la forêt axée sur la politique de reboisement en zone de savane et de plaine. Là, nous venons de présenter le premier point, le premier sous-point, la législation forestière. Passons. Au deuxième sous-point du grand 1, l'exploitation forestière. Le deuxième point de l'organisation de l'exploitation forestière, l'exploitation forestière. Nous sommes au petit 2, l'exploitation forestière. Comment s'organise-t-elle Comment s'organise-t-elle L'exploitation forestière au Congo s'organise en quatre étapes. La première étape, nous avons les zones d'exploitation. Les zones d'exploitation. La deuxième, les essences exploitées. Les essences. Exploitées. Les essences exploitées. À troisième, les sociétés forestières. Les sociétés forestières. Et enfin, à quatrième. La production forestière, la production forestière, la production forestière. Abordons les zones d'exploitation forestière, faisons recours à la carte, faisons recours à la carte, abordons les zones d'exploitation, nous faisons recours à la carte. Vous la voyez, là vous êtes, vous la voyez. Donc, cette carte ressort trois zones d'exploitation forestière. La première, c'est celle qui est localisée dans la partie nord du pays. Donc, c'est la plus, c'est la plus vaste zone d'exploitation forestière au Congo. Donc. Cette zone, donc celle que vous voyez ici, vous la voyez Elle couvre une superficie de 13 millions d'hectares. Elle se localise, nous avons, dans le département de la Likwala, de la Sangha, la cuvette Ouest et la cuvette. La deuxième zone forestière est celle que vous voyez. Vous la voyez c'est la deuxième zone d'exploitation forestière au Congo. Elle se localise dans les départements du Niari et de la Lekoumou. Et cette zone s'étend sur une superficie de 3 millions d'hectares. Et enfin, la troisième zone d'exploitation forestière est celle qui est ici, la voyez. La troisième zone d'exploitation forestière est celle qui est ici. Est, elle est située au sud-ouest du pays. C'est le Mayombe. Le Mayombe, localisé au sud-ouest du pays. Ici, nous avons le Chahu. Et plus, un peu plus bas, nous avons le Mayombe, qui est la troisième zone d'exploitation forestière au Congo. Et le Mayombe, localisé au sud-ouest du pays, entre la plaine côtière et la vallée du Niari. Le Mayombe est localisé entre la plaine côtière et la vallée du Niari. En dehors de ces trois principales zones d'exploitation forestière, nous avons aussi la présence des zones de forêt en savane. des zones de forêt en savane localisées un peu partout et ces zones de forêt en savane nous avons la présence de la forêt relique. La forêt relique, c'est une forêt plantée par l'homme. Dans la forêt relique, nous avons la présence des essences comme les eucalyptus que l'on retrouve un peu partout. Nous avons la présence des eucalyptus dans la plaine côtière. Dans la plaine côtière, donc prenons par exemple Pointe-Noire. Quand vous êtes à Pointe-Noire, en venant vers Monkamba, il y a même une avenue qu'on appelle l'avenue Tister. Et vous verrez que sur l'avenue Tister, de part et d'autre, vous avez la présence des cactus. À Luango également, vous en avez. Vous ne citez que cela. En venant à Brazzaville. À Brazzaville également, vous avez, euh, les forêts des cactus. Vous avez des forêts des cactus. À Brazzaville, vous avez des forêts des cactus. On voit la forêt de la pâte d'oie vers le palais des congrès la forêt de, de, la, de les Écaptus de la cité de 17, après Mukondo. Et quand vous montez vers Kintélé, à 45, vous en avez. À Kintélé également, nous avons la présence d'une forêt relique. Nous avons présenté les principales zones d'exploitation forestière au Congo. Nous passons à la deuxième phase, les essences exploitées. Quelles sont les essences exploitées dans ces zones forestières? Il y a une diversité d'essences commercialisables dans les forêts congolaises. Au nombre de ces essences, nous citons le limba. Nous citons le limba. Il y a le limba. Le limba. Le limba, le limba, le koumé, le moabi, le moabi, l'iroko. Iroko, le Kambala, le Kambala, le Sipo, le Sipo. Vous ne citer que celle. Donc il y en a plusieurs. Là pourquoi nous avons mentionné les points de suspension? Après les essences exploitées, nous passons à la troisième phase, les sociétés forestières. Quelles sont les sociétés forestières qui exploitent le bois au Congo Quelles sont les sociétés forestières qui exploitent le bois au Congo Donc, plusieurs sociétés forestières exploitent le bois au Congo elles sont nombreuses. Mais les principales sont les suivantes. Nous avons la CIB, donc, société forestière qui exploite le bois au Congo. La CIB, la CIB, c'est la Congolaise industrielle de bois. Dans la Sangha, il y a l'IFO. Il industrie forestière de Wesso. Il y a l'IFO, toujours dans la sangha, l'IFO, et la Likwala Timber. La Likwala Timber. Donc, tout comme les essences exploitées, il y en a plusieurs, les sociétés, les, les sociétés forestières aussi, il y en a plusieurs, mais nous ne citons que celle-ci, celle que vous avez au tableau, la Likwala Timber. Donc, les sociétés forestières, parmi celles que nous avons identifiées, il y a la CIB, l'IFO, la Likwala Timber. La Likwala Timber. Donc, présentement, nous passons, nous passons à la dernière phase qui est la production forestière. Qu -ce, quels sont les produits forestiers exploités au Congo. Quels sont les produits forestiers exploités au Congo? Donc, les, ici, il s'agit d'identifier les principales, les principales productions de l'industrie forestière au Congo. Donc, au Congo, l'industrie forestière produit les grumes. Donc, nous avons les grumes. Nous avons les grumes. Donc, en dehors de grumes, nous avons un compte plaqué. Compte plaqué. Les grumes, le compte plaqué. Plaquage déroulé. Plaquage, déroulé, plaquage, déroulé. Et les comptes plaqués, les plaquages déroulés, c'est le bois que l'on se sert, surtout dans le matériel de construction, construction des maisons. Nous avons les lattes, nous avons les bastins qui permettent d'avoir les charpentes avant que l'on ne puisse toller. Il y a également les rondelles de cactus. Les rondins des cactus. Les rondins des cactus. Ces rondins permettent de fournir le bois pour la production de la pâte à papier. En dehors de la pâte à papier, nous avons aussi ces rondins qui permettent à la société d'électricité d'avoir des poteaux électriques. Vous verrez un peu partout dans le pays, en dehors des, des poteaux métalliques, nous avons aussi des poteaux en bois. Donc ce sont les écaptus, ces rondelles d'écaptus qui permettent d'avoir ces poteaux. Donc présentement, nous venons de terminer avec le premier point, l'organisation de l'exploitation forestière. Dans l'organisation de l'exploitation forestière, nous avons abordé le premier sous-point intitulé la législation forestière, nous avons vu quelle est la loi qui régit l'exploitation forestière au Congo. Au deuxième point, nous avons abordé l'exploitation forestière qui, donc nous avons présenté quatre phases. Il y a les zones d'exploitation, les essences exploitées, les sociétés forestières, ainsi que la production. Forestière. Donc là, nous venons de terminer avec le premier point de notre leçon. Nous abordons enfin le deuxième point, les problèmes de l'exploitation forestière. Donc nous abordons le deuxième point. Au grand 2, nous avons les problèmes de l'exploitation forestière. 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 Donc, nous abordons le dernier point le problème de l'exploitation forestière qui est deuxième volet de notre leçon. Quels sont les problèmes de l'exploitation forestière au Congo Quels sont les problèmes de l'exploitation forestière au Congo Plusieurs problèmes freinent l'exploitation forestière au Congo. Ces problèmes peuvent être catégorisés en trois. Donc plusieurs problèmes freinent l'exploitation forestière au Congo. Ces problèmes peuvent être catégorisés en trois. Donc nous avons premièrement sur le plan premièrement sur le plan physique. Donc, nous avons les problèmes sur le plan physique. sur le plan physique. Donc nous abordons le premier point. Donc il y a ces problèmes. Nous avons dit peuvent être catégorisés en trois. Donc il y a les problèmes d'ordre physique, les problèmes d'ordre humain, ainsi que les problèmes d'ordre économique et organisationnel. Sur le plan physique. Sur le plan physique, il y a l'inondation d'une bonne partie de la forêt du Nord-Congo. Nous avons présenté les principales zones d'exploitation forestière. Parmi ces zones, nous avons commencé par la première, donc la plus vaste zone d'exploitation forestière au Congo, qui est la forêt du Nord-Congo. Donc, la forêt du Nord-Congo, il y a une partie inondée sur au moins 7, 000, 7 millions, millions euh, d'hectares. Donc, cette partie inondée pose un sérieux problème d'exploitation de bois. Donc, cette partie inondée dans la partie est du, du, du Congo, dans la partie est du Congo, il y a une bonne partie de la forêt équatoriale qui est inondée, ce qui est à l'origine des difficultés d'exploitation du bois. Donc, après les problèmes, donc il y a les difficultés d'exploitation du bois. Après le problème d'ordre physique, nous passons au problème d'ordre humain. Sur le plan humain, sur le plan humain, sur le plan humain, nous avons l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, il y a l'insuffisance de la main d'œuvre qualifiée, de la main d'œuvre, de la main d'œuvre qualifiée. Pourquoi cette insuffisance de la main d'œuvre qualifiée Il est insuffisance sur la main d'œuvre qualifiée parce qu'il n'y a pas assez d'écoles capables de former cette main d'œuvre qui peut travailler dans ces sociétés. Donc, il y a l'insuffisance sur la main d'œuvre. Il n'y a pas assez d'écoles en dehors de l'institut de l'université Marine Ngwabi. Il n'y a pas assez d'écoles. Donc, l'État doit penser à construire certaines écoles capables de former ces Congolais qui vont travailler dans le domaine forestier. Donc, étant donné qu'il y a insuffisance de la main d'œuvre qualifiée, le pays est obligé d'importer une main d'œuvre qualifiée. Voilà pourquoi nous avons la présence des techniciens, nous avons la présence des ingénieurs étrangers. Donc, pourquoi Parce que il y a une main d'œuvre L'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée. Donc présentement, nous passons au dernier type de problème, donc sur le plan économique et organisationnel. Sur le plan économique. et organisationnel L'exploitation forestière au Congo est confrontée à l'insuffisance des capitaux. Donc sur le plan économique et organisationnel, l'exploitation forestière au Congo se heurte ou est confrontée à l'insuffisance des capitaux. Donc il y a l'insuffisance. L'insuffisance des capitaux. L'insuffisance des capitaux et cette insuffisance des capitaux est à l'origine du monopole étranger sur le bois congolais. Donc, l'insuffisance des capitaux entraîne le monopole dans l'exploitation, le monopole étranger dans l'exploitation du bois. Il y a également le mauvais état des infrastructures de communication. Le mauvais état des infrastructures, infrastructures, des infrastructures de communication, Co des infrastructures de communication. Le mauvais état des infrastructures de communication. Donc, les infra le mauvais état des infrastructures de communication. Donc, nous avons les, les routes qui ne sont pas bonnes, les chemins de fer, prenons le cas du CFCO. Donc, ces infrastructures de communication qui sont en mauvais état ne permettent pas l'évacuation. Par les sociétés forestières que nous avons énumérées donc ne permettent pas l'évacuation du bois des zones d'exploitation vers les zones de consommation donc en dehors de l'insuffisance des infrastructures de communication nous avons également l'insuffisance et la vétusté du matériel de transport du bois l insuffisance et la vétusté insuffisance et la vétusté et la vétusté du matériel du matériel du transport de bois Donc, ici, c'est à peu près comme le point que nous venons de développer. Le CEFCO déjà. Donc, les infrastructures, l'insuffisance et la vétusté du matériel, le transport du bois. L'insuffisance et la vétusté du matériel, du transport du bois. Il y a également la baisse des prix du bois. En dehors de la baisse des prix du bois, il y a le non-respect du code forestier. Donc, il y a plusieurs problèmes sur le plan économique et organisationnel. Nous ne citons que cela. Donc, là, nous venons de terminer avec le grand 2. Donc, nous avons présenté l'organisation de l'exploitation forestière. Là, nous venons de présenter les problèmes de l'exploitation forestière. Donc, l'exploitation forestière au Congo. Est une activité bien organisée. L'exploitation forestière au Congo est une activité bien organisée. Donc, malgré ces difficultés que nous venons d'énumérer, donc, malgré ces difficultés que nous venons puisque nous avons vu l'organisation de l'exploitation forestière, l'exploitation forestière au Congo a une organisation précise. Donc, elle est bien organisée. Mais malgré ces difficultés, cette activité Demeure une activité pourvoyeuse d'emploi. Cette activité demeure une activité pourvoyeuse d'emploi et de devise à l'État. Cette activité demeure une activité pourvoyeuse d'emploi et de devise à l'État. Donc, chers apprenants, nous venons de terminer avec notre leçon du jour. Donc, avant de nous séparer, nous proposons un exercice relatif au cours que nous venons de voir. Donc, c'est une dissertation de géographie. C'est une dissertation de géographie sur l'exploitation forestière. Sur l'exploitation forestière. Donc, notre dissertation porte sur la leçon que nous venons de voir. Donc, dissertation. Dissertation de géographie. Expliquer l'organisation Expliquer l'organisation De l'exploitation.